Notre but, c'est abattre cette mentalité de se dire, ouais, c'est la guerre. Si vraiment tu as envie de te tester, viens mettre ta paire de gants. On verra directement sur le ring. Canal Sport, c'est des combats de boxe interquartier. Ça reflète un peu ce qui est quartier, les bagarres de rue, mais avec des règles. Ah mais des fois on allait dans des cités, gros c'était chaud hein. T'es au milieu, t'es vous à toi-même. C'est soit toi, soit lui. Le but toi, c'est d'être champion de la street. Ici, là, on est dans mon quartier. C'est ici que j'ai grandi. On est à Morpa ou Friche. On est en embrouille avec les mecs de trap et tout. C'était la guerre. C'était la guerre. Ouais, c'était la guerre, gros. J'avais 14 ans, 15 ans. Il y avait une histoire trap en cours. Et du coup, les mecs, ils me cherchaient. Moi, je rentrais chez moi d'ici, là, par là-bas. Ils sont arrivés par là, frère. Ils m'ont coursé, ils m'ont tiré dessus, frère. Après, j'ai sauté là, par là-bas, chez moi, dans mon balcon. Ça m'a traumatisé, gros. Je suis devenu fou. Incarcération, incarcération. Et vas-y. Les petits là de mon quartier, pour moi, c'est mes petits frères. Ils étaient beaucoup dans la bagarre, dans... Bagarre, alcool, chicha... Chicha, t'as capté, mauvais délire, tu vois. Mauvais délire. J'ai réfléchi, je suis parti les voir, j'ai dit, les gars, venez, on va changer la mentalité, venez, on va dans les bois, venez, on va faire du sport, venez, on... 5 6 Lila, je suis venu le chercher dans son lit, frérot. Matin, à 8h, il nous a dit, si vous êtes pas là, et bah, vous êtes pas du quartier. C'est de la hagra pure. Hein. Allez, allez, on continue. C'est ici que Canal Sport a commencé. Il m'a donné rendez-vous, il m'a dit, tu sais quoi, demain, ramène tes petits. On ramène quelques petits d'à côté, on va les tester. Tue-le, Yanis. Déséquilibre-le, KO. Et même les petits trappes qui étaient en guerre avec les petits des Friches ou les petits des Lancourt, bah maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, tu les vois, ils viennent, normal. Ils gardent des liens, des fois, ils sont là, ils courent ensemble, ils font un petit sport là-bas, à la barre de traction. C'est une réussite, parce que c'est une mentalité que les anciens de chez nous n'ont pas fait et que nous, on arrive à changer. Dès qu'on a vu que chez nous, les gens commencent à accrocher, bon, on s'est dit, pourquoi pas, on va le faire dans toute la France, tu vois. Il y a même des mecs qui sont en guerre du quartier à côté qui viennent directement à l'événement et ça apaise les tensions. Et ça évite quoi? Les combats à plusieurs où les gens ils viennent, ils plantent. T'as un problème à régler, tu règles sur le ring, après c'est fini. On va dire entre parenthèses, on est des semi-ange gardiens, t'as capté? Ah mais des fois on allait dans des cités, gros c'était chaud hein. Moi je te dis la vérité hein. Déjà même quand on est à la Mantes-la-Jolie, c'était chaud là-bas frère. On était avec les mecs du 18e et les mecs de Mantes-la-Jolie. Et ils ont parié, ils ont mis de l'argent. Et le combat il était serré. Ça veut dire qu'on n'arrivait pas à départager qui avait gagné. Wow. Les gens ils voulaient pas nous laisser sortir, frère. Dès qu'on a vu ça, on a dit on met pas d'argent. Ici on est à Vigneux, Bergerie. C'est une cité entre Vigneux et Draveil. Plus du côté Vigneux que Draveil, on est un peu isolé un peu de tout le monde. J'ai perdu un petit de ma ville qui s'appelle Cédou à cause des rixes. Ça fait des tensions, les gens se rétractent dans leur quartier, ça fait des clans. Aujourd'hui, il y a Canal Pours qui vient faire ses combats. Le message, c'est de leur faire comprendre qu'on est tous ensemble. C'est représenter aussi le petit pour faire montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé et que la ceinture, c'est pour Cédou. Tout ce qu'on fait, c'est pour lui, on ne l'a pas oublié. Comment les gars? À la base, nous, on le fait dans la street, tu vois, dehors. Tandis que là, t'as vu, les gens, ils sont assis sur les gradins, il y a un peu plus de public, on peut mettre de la musique, tu sais, c'est mieux, tu vois. Mais est-ce que c'est toujours de la boxe de rue dans un gymnase? Toujours. Ça change pas, mon gars. C'est la rue, la vraie, mon gars. Juste avec un peu plus de moyens. Moi, c'est Léo, mais on me surnomme Blacko. Je viens de Nice. J'ai regardé Canal Pours et j'ai décidé de prendre le train hier. On entend beaucoup les jeunes dans les quartiers, ils peuvent pas s'organiser, ils peuvent pas faire du sport ensemble. Et là, de voir qu'ils vont dans tous les quartiers, que c'est pas seulement les gars du quartier qui combattent, tout le monde peut combattre, j'en suis la preuve. Je me suis dit, il faut que j'y aille, il y a mon ADN dedans, il faut que je laisse ma trace.
Le but, c'est quoi? C'est de dénicher les talents cachés c'est du quartier. C'est ça. On va dire, entre parenthèses, on est les promoteurs de la street. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui ont des talents de fou malade, mais à force de rester en bas du bâtiment, là, hein, on sait déjà. Et c'est quand la personne, elle vient, elle se teste, ou quand elle va dans, la première fois dans sa vie, dans une salle de boxe, c'est là qu'elle commence à voir qu'elle a un putain de pouvoir, comme on dit, tu vois. Tu rentres, t'as tous les regards sont braqués sur toi. T'as tous les mecs de chez toi. Faut pas que tu perdes. Et une fois que t'arrives au milieu, paf. T'entends plus rien, t'entends ni ton coach, ni ton pote, ni celui qui crie ton blaze, t'entends plus rien. Parce que tout le monde crie, t'es voué à toi-même. C'est soit toi, soit lui. Toujours dans le respect bien sûr, mais c'est soit toi, soit lui. Comme on a perdu beaucoup de frères, on s'est mis en guerre avec certaines personnes, on aurait pu avancer ensemble. Bah non, justement, on veut pas de ça. On peut faire un truc de fou malade.